Turquie, fin de l'aventure pour Samuel Eto'o, l'ex-capitaine des Lions Indomptables a mis fin vendredi à son contrat avec le club turc de Konyaspor. Et cela 6 mois à peine avoir été transféré d'Antalyaspor pour Atiker. Les raisons de son départ n'ont pas été officiellement rendues publiques par Konyaspor. Les Turcs sur leur compte Twitter ont simplement salué la bravoure de Samuel Eto'o tout en le félicitant pour sa nouvelle destination. Mais on le savait depuis le début du mercato estival, que Samuel Eto'o coûtait très cher à Konyaspor, qui voulait revoir à la baisse son traitement salarial. Les discussions amorcées depuis quelques semaines auront donc accouché d'une souris. Pour son avenir, Samuel Eto'o n'a pas en s'en faire. Des rumeurs persistantes le donnent partant pour la Ligue 1 en France. Deux clubs de l'élite française seraient l'auraient sur leur tablette. Eto'o, dans une récente sortie médiatique, n'avait pas caché son « amour pour le championnat nord-américain ». Une sorte de retraite dorée qu'il pourrait aussi bénéficier en prenant la direction de la Chine ou du Kazakhstan qui mettent des ponts d'or sur le meilleur buteur des Lions Indomptables en CAN. À 36 ans, Samuel Eto'o fait toujours parler de lui, quel sera son « cet accent grave championnat, pays », un peu de patience, nous le saurons bientôt.